Psaume 27. Voici la plénitude du temps. Ô Dieu, envoie son Fils sur la terre. Voici la plénitude des temps. Ô Dieu, envoie son Fils sur la terre. Vers toi, Seigneur, j'appelle, mon rocher, ne sois pas sourd. Que je ne sois devant ton silence de ceux qui tombent dans la fosse. Écoute la voix de ma prière quand je prie vers toi. Quand je lève les mains, Seigneur, lève ton saint dessein. Ne me traîne jamais chez les impies, chez les malfaisants, qui parlent de paix à leur prochain et le mal est dans leur cœur. Donne-les, Seigneur, selon leurs œuvres et la malice de leurs actes. Selon l'ouvrage de leur main d'œuvre et de leur salaire. Ils méconnaissent les œuvres du Seigneur, l'ouvrage de ses mains. Qu'ils les abattent et jamais ne les rebâtissent, qu'ils les paient de leur salaire. Béni soit le Seigneur, car il écoute la voix de ma prière. Le Seigneur, mon bouclier, ma force, en lui mon cœur a foi. J'ai reçu aide et ma chair a refleuri, de tout cœur je rends grâce. Le Seigneur, force pour son peuple, forteresse de salut pour son Christ. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, conduis et porte-les à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici Psaume 75. En Juda, Dieu est connu, en Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, le lumineux, le magnifique, des montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil, tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux, tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre, la colère de l'homme te rend gloire. Tu te sens droit de m'échapper de la colère. Faites des vœux acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites aux offrandes aux terribles. Il éteint le souffle des princes.
d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers nous, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver, invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Ô le ciel au-dessus de la terre, et les voies au-dessus de vos voies. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant les pensées au-dessus de vos pensées. Comme les cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre, l'avoir fécondée et fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît, sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Psaume 146. La Vierge enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. La Vierge enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia, louez le Seigneur, il est bon de chanter. Faites notre Dieu douce la louange. Le Seigneur qui bâtit Jérusalem rassemble les déportés d'Israël. Lui qui guérit le cœur blessé, lui qui bande le blessé, qui compte le nombre des étoiles et il appelle chacune par son nom. Il est grand notre Maître et Tout-Puissant, en lui l'intelligence est sans mesure. Le Seigneur soutient les humbles, jusqu'à terre il abaisse les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la harpe. Lui qui drape les cieux de nuées, qui prépare germer l'herbe sur les monts et les plantes au service de l'homme, qui dispense au bétail sa pâture
au petit du corbeau qui crie. Ni la vigueur du cheval ne lui agrée, ni le charret de l'homme ne lui plaît. Dieu se plaît en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent son amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Esprit qui habite en nos cœurs pour les siècles des siècles. Amen. La Vierge enfante par fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. De Saint Ambroise au IVe siècle, il sera grand. L'ange du Seigneur dit à Marie, « Sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. » Sans doute l'ange a dit également de Jean, « Il sera grand. » Mais lui est grand comme peut l'être un homme. Celui-ci est grand parce qu'il est Dieu. Car le Seigneur est grand, digne de toute louange, et sa grandeur n'a pas de limite. Il est bien vrai que cet autre fut grand, puisqu'il n'existe pas parmi les hommes de prophète plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, il y a plus grand que lui, car le plus petit au royaume des cieux est plus grand que lui. Jean est grand, mais devant le Seigneur. Jésus, lui, est vraiment grand. Car la puissance de Dieu est largement répandue, la grandeur de la nature divine s'étend largement. La Trinité n'a nulle borne, nulle frontière, nulle mesure, nulle dimension. Nul lieu ne la renferme, nulle pensée ne l'embrasse, nul calcul ne l'évalue, nulle époque ne la modifie. Sans doute le Seigneur Jésus a donné à des hommes la grandeur, car leur voix s'est propagée sur toute la terre, et leurs paroles jusqu'aux extrémités des espaces terrestres. Mais non jusqu'aux limites de l'univers, non jusqu'aux limites du ciel, non pas au-delà des cieux, tandis que dans le Seigneur Jésus ont été créées toutes choses, aux cieux et sur terre, visibles et invisibles, et lui est avant tout être et tout subsiste par lui. Contemplez le ciel, Jésus y est, considérez la terre, Jésus est là. Montez par la parole au ciel, descendez par la parole aux enfers, Jésus est là. Car si vous montez au ciel, Jésus y est. Si vous descendez aux enfers, Jésus est là. Aujourd'hui, tandis que je parle, il est avec moi en cet instant, en ce moment. Et si maintenant un chrétien parle en Arménie, Jésus est là. Car personne ne dit que Jésus est Seigneur, sinon par l'Esprit Saint. Si par la pensée vous plongez dans les abîmes, là aussi vous verrez Jésus agir. Où donc n'est-il pas, puisqu'il a tout achevé aux cieux, aux enfers et sur terre? Il est donc vraiment grand, lui dont la puissance a rempli le monde, qui est partout et sera toujours, puisque son règne n'aura pas de fin. Thank you.
Seigneur te couvrira de son ombre. Ne crains pas, tu concevras en ton sein le Fils de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, c'est mon salut. Gloire à toi, Seigneur. Au sixième mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordé en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et on est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Et souvenir de son alliance sainte,
Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner qu'à franchir la crainte, et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés par l'amour du cœur de notre Dieu. Soleil levant qui vient nous visiter, lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre chemin de la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, amen. Triaion, page 352. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Quant à nos pécheurs, nous te supplions de mettre la joie là où il y a le chagrin, la liesse là où il y a la tristesse, la gaieté là où il y a l'angoisse. Saint immortel, aie pitié de nous. Quant à nous pécheurs, nous te supplions de mettre la paix, la tranquillité là où il y a la peur, l'aise là où il y a la difficulté.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, la Vierge accueille ton Verbe éternel, qu'elle soit remplie de la lumière de l'Esprit-Saint et devienne le temple du Très-Haut. Aide-nous à devenir assez humbles pour faire comme elle ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce.